Bon, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, je vais pêcher le chevesne. Alors, comme vous voyez, je suis en train de récolter des prunes. Voilà, tous les fruits, c'est super pour le chevesne. Regardez, je prends plein de prunes et je vais aller pêcher les chevesnes à la prune. Hop, je prends pas des trop grosses parce que c'est assez gros quand même, mais les chevesnes, ça leur fait pas trop peur. Voilà, comme des cerises, des petites prunes. Ça va le faire. Je m'en prends un bon paquet. Ça va être pas mal. Je vais prendre une petite prune. Une toute petite là. On va commencer petit. Alors. La prune. Je mets un petit hameçon triple. Enfin, lui est un peu gros parce que je pensais que les prunes allaient être un peu plus grosses. Et on pique. Voilà. Comme ça. Normalement. Ça devrait le faire. Et là, objectif, c'est chevesne à vue. Donc on va essayer de voir repérer les chevesnes. Normalement, ils sont là, là, dans ce trou-là. Et pour les sortir, ça va être aussi bien galère. On va fermer la poche avec les prunes. Il a pris. Oh, c'est pas un petit, c'est pas un petit. Voilà, c'est pas un petit pépère. Ouais, je leur fais tous peur là. Bon, on va essayer de pas se foutre à l'eau. Est-ce que vous avez vu ce pépère? J'ai pas tapé le plus petit du lot. C'est arrivé direct dans l'eau. Et bam! Il était là. Il était là direct. Un joli poisson. On va mesurer sur la canne. Pas le temps de sortir le mètre. On mesurera après. Ok, OY. Ensuite, la pince. Voilà. Et il repart. J'ai pas fait le plus petit du lot. C'est bon ça. Premier lancé, à peine atterri dans l'eau. Il était pendu. Il était déjà pendu. Bon allez, c'est parti pour un autre poisson. En espérant que je leur ai pas fait peur à tous. Qu'il y en ait. Là. Hop. Encore un très beau fiche. Hop là! Encore une fois, pas un petit chat. On mesure ça sur la canne. Ok. Et juste là. Kikara. Voilà. Alors, une petite prune de préférence. Hop, on va la piquer. Là, juste à côté du noyau. Et c'est parfait. Là, il y a du chub, là. Voilà. Encore un joli petit.
Là, autre technique, j'ai laissé poser au fond et j'ai attendu qu'il vienne en fait. Que ce soit son passage en fait. Et dès que c'est sur son passage, j'ai fait très sauter. J'ai fait très sauter du coup ma prune sur le fond pour qu'elle dérive en fait de manière naturelle. Il y a une ligne là. Alors, un poisson de combien? Je vais l'enlever. Ok, un poisson qui arrive ici. Entre les deux que j'ai fait. Voilà. Hop. Yes. Une jolie fiche. Ok. J'essaie d'analyser un peu leur comportement. Pour voir un peu leur trajectoire. C'est pas de la chasse, mais c'est des trajectoires de recherche. Ils ont des trajectoires de recherche bien définies. L'objectif, c'est de s'interposer dans ces trajectoires de recherche. Oh, lui, il est gros. Voilà, je me suis interposé. J'ai fait très sauter la mûre sur le la prune sur le fond et il est venu la chercher. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit plus simple pour descendre là-bas? Il est gros lui. Il est pas mal du tout lui. C'est encore un très très joli poisson. Voilà. Un poisson qui fait... Ah oui, il est plus gros que tous ceux que j'ai pris là. Jusqu'au S. Yes. Je sais pas comment ça fait ça. Je vais le décrocher. Hop, il est à peine piqué. Voilà. Bon, un release de merde, mais c'était pour vous le montrer. Ça y est, c'est chose faite. Allez, c'est parti pour une nouvelle petite session. Aujourd'hui, c'est l'été. On est en plein mois d'août. Aujourd'hui, il fait 36 degrés, voire plus à certains endroits. Donc, on va essayer de pêcher du chevesne. Ils réagissent très, très bien l'été à la mûre. Donc, vous voyez, j'ai pris une petite boîte avec des mûres. C'est la saison. C'est le moment de pêcher les chevesnes à la mûre. Alors, tout simple, après la prune, on va essayer un autre fruit, la mûre. Un bas de ligne, là, assez costaud parce qu'il arrive d'avoir besoin de dropper les chevesnes parfois un petit peu. Il faut aussi mettre des bons roches au début, il y a pas mal de branches et tout, il faut quand même les brider un peu. Donc je mets un fluoro assez important, mais même très fin, ça ira, ça va aussi. Et une petite hameçon triple. Voilà, moi je pêche avec une petite hameçon triple. L'avantage, c'est qu'on pique bien la mûre et on pique très bien le poisson. L'hameçon simple a tendance à mal tenir. La mûre a tendance à mal tenir, donc je la pique au niveau de la web pousse. À la base de la mûre, hop, et je la fais ressortir un petit peu. Je cache en fait l'hameçon dans la mûre. Et après, c'est parti pour la pêche. Ok, ils sont tous là. Oh, il y en a un gros pépère là. Oh, il a pas pris. Bon, solution 2. On pose la mûre au fond et on attend qu'il y en ait qui passe. Il y a des gros pépères là. Ah, il y en a un qui l'a vu. Et j'en ai un. C'est qu'une fois que je suis là, c'est sport. Parce que
parce que là c'est desserrage de frein total. Et après il faut aller le chercher. Il s'est décroché tout seul dans l'épuisette. Voilà. Bon, il est reparti. Un peu plus vite que prévu, mais il est reparti. Voilà. Un joli chub. Là, comme je suis pas en hauteur, je n'ai pas une visibilité exceptionnelle. Je vois pas trop les poissons. J'adopte une autre stratégie. C'est lancer. Et voir s'il y a un truc qui vient. En général, il y a très peu d'eau là, donc quand il y a un poisson qui vient, ça fait un gros remous, on le voit de suite. Là-bas, il y en a avec des petits. Il y a l'air d'avoir un troupeau de petits. Ah, là-bas, il y en a un joli. Allez, hop. Ah, faut pas qu'il aille dans les arbres. Pas un tout petit celui-là. J'ai pas pris le plus petit. Oh, il a coffré. Yes. Voilà, le chevenne à la mûre. Ah, il est pas mal celui-là. Il est pas mal du tout celui-là. Hop, je sortirai la pince. Il est piqué sur le palais. Hop là. Et voilà. Ça, c'est décroché. Un joli poisson. Allez, repart. Ils ont une patate ici. Yes. Allez, bah. Au suivant, comme on dit. Allez, là, il y en a un joli au bord. Il fonce dessus. Et il l'a pris. Il est pas content. Allez, viens dans l'épuisette. Piqué à ras de la gueule. Voilà. Un petit chevenne. Toujours pareil, on mesure sur la canne. Hop là, doucement. Ok. Et un de plus au compteur. Bon ben voilà, petite pêche du chevenne terminée. J'espère que vous aurez appris pas mal de choses, que je vous aurai appris un petit peu à pêcher avec des fruits. Donc tous les petits fruits fonctionnent, que ce soit la prune, que ce soit la mûre, que ce soit les cerises à la saison. Toutes les petites baies, ça fonctionne très bien. Vraiment pêcher le chevenne aux fruits, c'est quelque chose que peu de personnes font. Ça se développe de plus en plus. Nous, ça fait déjà 5-6 ans qu'on pêche aux fruits. Même plus, on a commencé la pêche du chevenne aux fruits, aux flotteurs. Mais c'est une pêche très intéressante, très ludique à vue, donc j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas, le petit like si ça vous a plu, justement ça permet de m'aider pas mal. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.